Voice of Cameroun. La voix de l'espérance. La terre battue de la place des fêtes de Lobo martelait au pas ferme de sa jeunesse avec à la tribune des forces vives locales au grand complet. Ce 20 mai est de retour en 2022 dans cette localité du département de la Lékié après les 2 années de privation imposées par la COVID-19. Ces retrouvailles sont donc frappées du sceau de l'unité et de la cordialité entre les différentes entités vivant dans cette commune. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'unité, l'unité voudrait dire en français facile, si je peux le dire, de sacré. Donc, le Cameroun, c'est quelque chose de sacré pour tout Camerounais. Mais partout où on se trouve au Cameroun, en Camerounais, si moi je quitte ici, je vais à l'extrême nord, je vais à Mora, je sais, je vais à Tumboro et autres, je suis au Cameroun. Nos frères anglophones, nos frères du nord, nos frères de l'ouest, de l'est et autres, quand tu te retrouves à Lobo, tu es chez toi. Pour étayer ces propos, un carré constitué de défilants, tous ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avant et après eux, élèves du primaire et du secondaire, membres d'organisations civiles et politiques, sans oublier ceux à qui des métaux précieux ont été décernés, pour féliciter leur abnégation à la tâche. Un sentiment de joie, de satisfaction, pour comprendre que la République reconnaît le travail bien fait. Vous voyez, après avoir bossé plus de 40 ans dans l'administration, si à la fin vous avez des médailles, on vous honore pour ce travail bien fait, ça suppose. Ça se confirme quand vous recevez les médailles. La forte pluie qui s'abattra sur le lieu des festivités ne diluera pas l'ardeur des défilants. Rien ne refroidit l'attachement de Lobo aux idéaux de la République.